Donc tous les potes de tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du Farming Simulator 22 sur la série The Old Scheme Farm, partir de rien. Dans le dernier épisode, on avait commencé la ferme, on avait acheté notre premier tracteur. Ici, bon, il était un peu tout propre, là, il est un peu tout sale parce que j'ai fait quelques missions, je vous expliquerai un peu après. On avait acheté une charrue et un semoir. Alors je vous explique, donc j'ai fait une mission avec les charrues, du coup un grand champ, du coup je peux gagner 6000 euros. J'ai pas encore accepté les missions, on va les accepter dans cette vidéo. Aussi du coup j'ai vendu le semoir parce que je devais pour une mission il me fallait que je loue un matériel juste pour emmener des bottes. Du coup bah voilà, j'ai vendu le semoir, mais on en rachètera un juste après. J'ai fait 3 missions en tout. Parce que je suis limité à 3, je sais pas pourquoi, c'est un peu chiant, mais bon, on va faire avec. Du coup, là, on a 2 champs de pressage. Du coup, là, le champ de labourage du champ 51, donc voilà, il est là, le champ 51. J'ai fait avec le tracteur qu'on a acheté, la charrue 5 corps. Je l'ai ramené à la ferme, parce que après, j'ai réutilisé le tracteur. Mais du coup, voilà, j'ai tout fait le champ. Si vous voulez, on peut aller voir. Hein. Si vous voulez la preuve, hop là. On va aller... Le champ, il est là. Donc voilà, j'ai fait dans ce sens-là ici. Enfin, j'ai commencé là-bas déjà tout au fond. Genre, j'ai fait dans ce sens-là tout comme ça. Après, j'ai fait là. Bon, j'ai tout fini ici. Et après, comme il restait 2%, je crois, du coup, j'ai fait une longueur là et un petit bout ici. Du coup, comme ça a fini la mission. Donc, on peut accepter déjà ce contrat-là. Hop là. Obtenir. Nickel, du coup on a déjà plus 6000 euros, 3, du coup 15000 euros on a. Après, donc là on a ensemencement, on fera peut-être une mission aussi. Du coup là, j'ai fait 2 missions du champ 33 et 16. Du coup, comme j'ai fait déjà la mission, en fait j'ai déjà accepté la mission du champ 16, mais comme il demande le même genre de l'enrubanage à la fin. Du coup, j'ai utilisé le matériel du champ 16 pour faire la mission du champ 33. Du coup, j'aurai un bonus de pas louer le matériel sur le champ 33. Du coup, j'ai tout fait en même temps. Genre, j'ai fait faucher là-bas, après faucher là, endainer là, presser, enrubanner. Après, j'ai loué un plateau, je l'ai mis devant le 955 XL. J'ai ramassé toutes les bottes là. Et après, boum, j'ai tout emmené là. Ici, je les ai pas encore vendues. Et après j'ai tout rassemblé là, puis j'ai tout mis ici. Et on va les les vendre pour que ça remplisse un peu pour les deux contrats. Hop là. Donc là. Voilà. Donc on va les vendre une par une. Hop là. Hop, vite. Donc champ 16, c'est bon. Enfin pas encore, mais oui, voilà. 80%, attendez, hop là, 93, donc il manque plus qu'une. Hop, contrat terminé du champ 16. Du coup, on va accepter le contrat du champ 16. Comme ça, après, s'il restera des bottes à la fin, on pourra les vendre peut-être pour gagner un peu d'argent. Donc, on va déjà obtenir, hop là, champ 16, nickel. Donc là, j'ai déjà 3% du champ qui reste. 9%, 16%, hop là. Oh mais voilà. 29, 36, 43, 49, 56, 62. Donc il va en rester à la fin. Donc on pourra peut-être les vendre si on accepte le contrat, puis qu'après, oui, on va peut-être pouvoir les vendre. 82, 96, donc contrat terminé. Donc là, on accepte le contrat, donc obtenir. Donc là, on a fait plus 7230 euros de balles vendues, ok. Du coup, là, normalement, on peut vendre tout le restant de balles. Donc c'est pas réaliste, hein, parce que je... Balles vendues, 60 euros. 577, ok. Donc là, on pourra gagner pas mal d'argent. En vrai, on fera peut-être de l'enrubanner aussi, mais on verra. Donc là, je vends 2 balles, ça me fait un peu plus de 1000 euros. Donc c'est plutôt pas mal. Hop là. 574 la balle.
587, 561, 560. Hop là. Nickel, donc 36 000, presque 37 000 euros. Pour au final, bah, au final, on a 37 000 euros à peu près. Donc j'ai fait 3 missions. Vous pouvez voir même là, je crois. Non, c'est où? Donc là, bah, du coup, j'ai mis 1h05 à faire le champ entier. Là, j'ai mis 3 heures en tout avec le 955 XL parce que j'ai comment dire, j'ai enrubané avec. J'ai fait quoi d'autre? J'ai enrubané puis j'ai transporté les balles. Du coup, bah, en tout, voilà, j'ai travaillé un peu plus de 3 heures sur la partie. Et au total, je sais plus combien on est. On est à 6h57 de partie. Là, ça fait 26 minutes que je suis là parce que je suis allé manger et tout avant. Du coup, bah, voilà. Bah, on va commencer à peu près un peu la vidéo ici. Du coup, là, on a du coup une charrue. J'offrais des missions en off. Du coup, en off, j'offrais 2-3 missions. Trois missions moins. Du coup, je ferai sûrement de l'ensemencement 4000 euros là. Et après, bah, je ferai les deux missions de pressage qui rapportent un peu plus d'argent quand même. Et là, du coup, bah, on va acheter un petit semoir. Du coup, bah, pas le même, je pense. On va en acheter un autre. Alors, il y a quoi d'autre? J'en ai installé deux, mais ouais, ça coûte un peu plus cher. Du coup, on va pas acheter ceux-là, 41 000 non plus. Je prends ça, acheter celui-là, 6 mètres et 18 000 euros. Du coup, bah, on va acheter celui-là, nickel. Donc, il nous reste 18 000 euros pile, à peu près. Hop là. On va accrocher le semoir, juste acheter après une palette, tu sais, vous savez, pour remplir le semoir. Et après, je pourrais faire des missions d'ensemencement du coup avec. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mince, c'est l'autre côté, faut que je l'accroche. Hop là. Hop, nickel. Du coup. Nickel. Bon, le 955 XL, je sais pas pourquoi, mais genre il est bizarre. Genre, chaque fois que j'ai un outil maintenant, genre ça, il se met pas correctement. Du coup, bah, c'est un peu chiant. Mais bon, c'est pas grave. On va. Attendez, sous les palettes. Là. Acheter une palette de semences. Et on va faire aussi un truc dans cette vidéo. Quantité 1, ouais. Vous allez voir bientôt ce qu'on va faire. Donc là, on remplit complètement. Bah, en fait, on va semer. En fait, j'aimerais bien semer du soja devant. Pour. Comme ça, on pourra peut-être. Ou peut-être du blé, mais non, en fait, du blé, on va en acheter juste après. Donc, je vais vous expliquer. Donc, là, en fait, on va. J'aimerais bien semer du soja devant la ferme. Vous savez, on a un petit champ. Et ça, j'aimerais bien le. Bah, l'acheter. Enfin, le semer en soja. Et genre, le pulvériser à fond après, si on peut. Oula, ah, mais du coup, ouais, je sais pas pourquoi, mais. C'est un peu chiant, du coup, comme j'ai un semoir à 6 mètres. Mais bon, on va se débrouiller pour l'instant comme ça. Ouais, c'est vrai. Du coup, on va mettre du soja. Donc, ouais, soja là. On n'a pas le mode saison, donc tranquille. Hop, donc on sème ça ici, là-dessus. Je vais juste faire. Ouais, on va juste faire là, une bande là, et après on fera dans l'autre sens. Hop. Et en fait, on va faire un truc dans cette vidéo, c'est surtout ça. On va acheter nos premiers animaux. Je m'explique. Je vais déjà acheter des poules parce que autrement on va jamais avancer sur la série, mais on va comme ça on va acheter des palettes de graines et tout. Et comme après bah, je vais avancer le temps et j'achèterai une petite remorque pour mettre derrière le Suzuki. Comme ça on ira vendre les palettes et tout. En fait j'aimerais bien que ça fasse beaucoup d'œufs. Comme ça on ira y vendre après. Genre parce que pour que ça fasse un peu de. Ça fasse un peu de d'argent parce que bon, c'est pas qu'on est un peu. On a 17 000 euros mais faut qu'on en gagne plus quoi. Donc là on va le semer en soja, ce champ. Hop là. Donc du coup, on va acheter nos premiers animaux. Je vais pas mettre d'ouvrier maintenant parce que c'est pas, ça sert à rien de perdre de l'argent pour rien. Autrement, voilà quoi. Hop là, alors. Du coup, on achète, on va acheter quoi? 10 coques. On va acheter 10 coques, ouais. Acheter. Et là, bah des poules. Sélectionner, on va acheter le maximum qu'on peut. Hein. Prix, ouais. C'est pas grave si on en a pour cher, mais bon.
Mince. €3 300 de poules, du coup on a 60 poules à peu près. Au pire on en rachète un. Hein. Ouais. Voilà, donc on a 11 000 €, on a 120 poules, 10 coques, donc ça va faire des œufs. Peut-être acheter aussi, je voulais peut-être acheter. Attendez, il n'y a pas un truc d'hiver si là. D'hiver, s'il n'y a pas d'autres petites remorques, je vais acheter celle qu'il y a là, mais bon. Ouais, on va acheter là-bas. Est-ce qu'elle coûte cher? 8 000 € quand même, putain. Il n'y a pas un autre truc autrement. En baigne, il n'y a pas un truc qui coûte moins cher au pire. 11 000, oh putain, mais c'est non, c'est trop cher. C'est beaucoup trop cher. Attendez, il y a peut-être une en mode aussi, peut-être que je peux mettre en petit plateau là, non? Il n'y en a pas une comme ça. C'est quoi ça? Ah bah si, celle-là, là. Nickel. Hop. Nickel. Comme ça, on pourra mettre les autres dedans. Du coup, on va acheter des palettes de blé, voilà. Oula, non, pas 8 quand même. 2, ça va suffire, normalement. 1 500 €, hop là. Du coup, bah, on achète un peu de trucs, là, mais bon, c'est... Donc le caca, il va nous servir un peu, ça c'est bien. On achète un peu beaucoup de trucs, là, mais ça va nous rembourser, je pense, au fur et à mesure, après. Parce qu'il faut qu'on s'achète une moissonneuse pour moissonner le soja, après. Et qu'il faut qu'on s'achète aussi des... mince, comment dire, mince, enfin pour pulvériser et tout le champ pour que ça fasse un bon rendement. Oh, excusez-moi, je baille, mais enfin il a un peu tort, mais bon, ce n'est pas grave. Oh, putain, j'espère qu'il y a des sangles dans le truc. Putain, mais ça va même pas, ça va se rendre. Attendez, nickel, hop là. Non, mais moi je veux pas vider dedans, non. Hop là. Hop là. Ah, mais c'est de la merde. Non, mais moi je veux pas. Non, mais non, mais. Pourquoi il y a une. Oh, mais c'est de la merde. Moi je voulais pas que ça se remplisse de blé. Pourquoi il fait ça? Je voulais pas que ça se remplisse de blé, moi. Ouais, bah on vide. Normalement on pourrait y vider, donc ouais. Du coup, ouais. Il roule à 120. Oula, 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 oula. Non, peut-être pas quand même. Bon, c'est un peu. C'est pas réaliste, mais bon, c'est pas grave. On n'est pas fait pour jouer réaliste. Je n'ai pas cette série là. Oui, du coup, il n'y a pas eu de vidéo sur jouer le plus réaliste possible. Parce qu'en fait, j'ai trop envie de jouer sur cette map. Donc, du coup, on joue sur cette série là pour l'instant. Après, on prendra. Les. Attends, mais c'est où les abreuvoirs? La chip, c'est où les abreuvoirs? Parce que c'est pas là du coup, je pense. Ça doit être par là, comme sur les anciens farming, non? Même pas. Attends, mais du coup, c'est où les abreuvoirs pour les poules? Alors. C'est où les abreuvoirs? C'est pas là, mais c'est où alors? C'est où, c'est où, c'est où? Ah, c'est peut-être là en fait, non? Parce que là on peut vider, je crois. Ah ouais, I. Allez, allez, vide, vide, vide. Là on remplit à fond. Nickel. Normalement ça va tout vider, je pense. Ouais, tout fait des piles. Hop. Du coup, animaux. Donc, céréales. Donc, il en faudrait 4000, mais bon. Ce n'est pas grave. Donc, 120 poules. Ouais, nickel. On va mettre le 4x4 par là. Hein. Hop là, nickel. Je vous fais une petite coupure, les gars. Je vous retrouve quand, quand on commence à semer. J'arrive. Et donc, les potes, du coup, voilà. On est dans le champ. On va finir de semer ce soja là. Je vais essayer de faire pas mal de missions en off. Et bah du coup j'avancerai le temps et on vendra dans le prochain épisode. Bah je vais soigner aussi les animaux, donc c'est pour ça que je vais peut-être accepter aussi 2-3 missions et faire pas mal de missions. Au moins une ou deux d'accepter des missions de ensemencement par exemple. Comme ça après je vous
enfin je pourrais acheter du blé pour les poules. Et comme ça, dans le prochain épisode, j'accepterai les 3 dernières missions que j'aurai faites. Du coup, on aura déjà un peu plus d'argent que 4000 euros. Ça, c'est sûr. Parce que je vais essayer de faire pas mal d'émissions, même en live ce week-end. Peut-être je vais faire des missions pour que vous voyez quand même. J'accepterai en live. Donc, ceux qui me croient, ceux qui veulent être sûr que j'ai fait l'émission, que j'ai bien fait l'émission et tout, vous irez voir en live. Parce que je vais avancer en off, je vais en accepter en live aussi des missions. Et je vais faire aussi des missions en live. Parce que bon, pour qu'on avance un peu sur la série. Et une fois après qu'on a un peu. Une fois qu'on a un autre champ, une moissonneuse au moins. Et ouais, au moins une moissonneuse. Après c'est bon. Parce qu'on peut. Comment dire, on a un cycle de récolte. On a au moins un tracteur. Au moins une moissonneuse, une petite benne. Et on a de quoi faire un nouveau champ. Et de quoi semer. Après ça, c'est bon. On peut. Comment dire, on peut se permettre de. De plus faire de dépenses. Après comment dire, on aura comme terme de revenus, on aura toujours les poules. Et après on aura les récoltes qu'on fait qu'on pourra vendre. Comme ça après on va économiser de l'argent pour acheter de plus gros matériel. Donc du coup voilà, faudrait juste une moissonneuse. Il nous manque juste une moissonneuse, une petite benne. Et après on peut faire notre cycle. Et comme ça après on a les poules déjà qui comment dire, qui vont déjà produire pas mal. Et aussi je voulais faire des moutons parce que ça rapporte bien, mais on verra plus tard. On verra plus tard dans la série. Du coup voilà. De l'enrubanage faudrait aussi, mais bon, on a beaucoup de trucs à faire. Mais bon, c'est pas grave, faudrait que je réfléchisse aussi à un champ à acheter. J'ai déjà une petite idée. Ce serait le champ 5 qui est derrière la ferme. Comme ça après on a du bois à faire. On pourrait faire du bois pour vendre du bois. Et ragrandir le champ aussi. Mais on verra bien. Hop. Donc là on sème le champ en soja. Donc c'est vraiment rien du tout en soja, mais bon, c'est pas grave. Ça sera toujours ça des revenus, mais bon. C'est pas ça qui va nous faire avancer sur la série, quoi. Hop, nickel. Du coup, bah, comme je vous ai dit, je vais avancer en off. Je vais avancer en off pour gagner des sous. Et du coup, là, à la fin de cet épisode, on aura toujours 4779 euros. Mais c'est possible que à la. Comment dire, au prochain épisode, on ait moins ou plus d'argent. C'est que. Si j'en ai moins, c'est que j'ai sûrement fait une mission et que j'ai acheté. Comment dire, des palettes de blé pour nourrir les poules. Et si j'en ai plus, c'est que bah, j'ai fait pareil, mais j'ai sûrement fait un peu plus de missions. Donc faut bien que j'avance sur la série, parce que sinon on n'avancera jamais. Donc c'est pour ça que je me permets d'avancer en off et de pas tout montrer en vidéo. Mais vous inquiétez pas, je fais l'émission. Même que ma copine râle parce que je passe trop de temps sur mon ordinateur, mais voilà. Ça faut, faut pas le dire. Du coup, la vidéo va s'arrêter là. Oh putain, mais qu'est-ce qu'il fait lui? Oh, Shroy il se balade. Il joue. Qu'est-ce qu'il fait? Il est quand Shroy? Il fait des zigzags, il fait le tour du champ. Tu sais, on dirait un cheval qui fait le tour. Vous savez, enfin, on dirait. Ah, il s'est pris la barrière, je crois. Hop. On va finir le tour. Ce week-end, il y aura sûrement un ou deux lives. Peut-être un live. Déjà, un live sûr, je pense. Je vais essayer de faire un live sur Farming 22. Sur cette série-là, pour avancer un peu sur les missions. Et peut-être un autre live FIFA. FIFA 22, parce que j'ai FIFA 22 maintenant. Je vous l'ai dit dans la précédente vidéo. Et du coup, oui, j'ai FIFA 22. Et j'y joue souvent. Du coup, bah, si. Comment dire. Si. Un jour, je. Si il y a un jour, je joue à FIFA. Et que. Bah, je suis avec un pote ou un truc comme ça. Bah, je lancerai peut-être un live. Comme ça, ça fera un peu plus de contenu. Puis au moins, la chaîne restera pas. Comment dire. Ne restera pas vide. Hop. Donc, c'est nickel. On a fini de semer ce champ. Il y a combien de pulvérisation? Quand même voir au cas où. Attendez. Fertiliser. Bon, il y a des pierres, mais bon, ça c'est pas grave. Ah, il est fertilisé à fond. Oh, bon, il est fertilisé à fond, nickel. Donc là, si je descends, 100%. Et bah, c'est nickel. 100%, bon, s'il y a des mauvaises herbes, après, ça c'est pas. On va pas tout pouvoir gérer non plus, mais bon.
La fertilisation à 100%, je sais même pas pourquoi, mais oui, bah du coup c'est nickel. Tout là, oui. Donc la charrue elle est là, hein. Elle est ici, elle est bien sale aussi, elle, faut que je la répare, que je la nettoie et tout. Mais bon, on n'a pas de sous pour s'acheter un karcher pour l'instant. Si on a, on a assez, mais non, on va peut-être pas faire des dépenses pour rien, ça c'est pas grave si les tracteurs sont sales. Donc voilà, peut-être ce week-end pour un petit live, je pense sûrement, pour avancer sur les séries. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo si elle vous a plu. Parce que ça m'aide vraiment. Là, on a gagné pas mal d'abonnés. On est à 319. Donc voilà, ça augmente pas mal. Du coup, bah ce week-end, un ou deux live. Et du coup, lundi pour le troisième épisode de la série sur The Scream Farm, Partir de rien. Où on va essayer d'acheter notre moissonneuse. Mais il faut que je tryhard pas mal en off pour avoir de l'argent. Mais sinon, on va vendre surtout plein d'œufs. Donc là, normalement, si j'avance un peu de temps, voilà, il y a déjà des palettes d'œufs qui se créent. Hop, intérêt du prêt. Il faut que je rembourse le prêt aussi. Mais bon, je vais juste voir. Ouais, voilà, là, ça fait pas mal d'œufs et tout. Attendez, je vais essayer d'avancer le temps. Hop là. De toute façon, il n'y a pas de... Il n'y a pas de mode saison, donc les saisons. Là, oui, il y a toujours des trucs. Oula. Pulvérisation, oui. Donc là, je vais sûrement en off. Je vous explique ce que je vais faire en off. Du coup, en off, je vais sûrement faire ça. L'une des deux. Celle-là, là, même celle-là aussi. En off déjà. Donc ça, il n'y aura plus. Labourage, non, il n'y en a pas une qui paye bien, donc non. Les trois, je vais les faire. Les trois, je vais les faire. Pulvérisation, non, je pense pas. Ou je verrai bien. Non, en fait, faudrait juste que je fasse. Ouais, les C3 là. En fait, tout ce que je peux faire, faut que j'y fasse. Donc, tout ça, même labourage, peut-être y faire aussi. On verra bien. Donc, voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo si elle vous a plu. À demain. Non. Quoique. À demain ou à dimanche pour un petit live sur Farming 22 et sur FIFA. Et à lundi pour le troisième épisode. Allez, on se retrouve lundi pour la nouvelle vidéo et à demain pour un petit live. Allez, ciao tout le monde.